Eh bien bonjour Jackie, une vie en plus. J'espère que vous allez tous bien. Je regarde si j'ai pas bloqué le micro. Apparemment, vous avez tout. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Et puis j'avais envie de faire un petit tirage histoire de s'amuser un petit peu. Et puis regardez, eh bien ma foi, ces fameuses élections. Donc je vous cache pas que dans mes prédictions, tiens, santé. Je ne vous cache pas que dans mes prédictions, j'ai toujours dit que je ne les voyais pas. J'ai encore fait un tirage personnel semaine dernière. Je ne les ai toujours pas. Il se passe quelque chose avant. On dirait que des choses sont arrêtées. Voilà, donc je vais refaire un tirage devant vous et puis on va voir si ça continue à dire la même chose. Parce que maintenant, on est quand même mardi et puis c'est dimanche le 10. Voilà, donc on y va. Donc, je ne parle pas à savoir si Emmanuel Macron va être élu ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est me coucher sur les élections. C'est bon, je les ai, je les tiens, on y va. Allez, go. J'espère que vous avez bien les cartes. Je vais les mettre juste dessous, hein, quand même. Voilà, histoire de. Je suppose que vous avez bien la table. Qui va jusqu'ici, donc qui me laisse de la marge. Ok, on y va. Donc, les élections. On va faire le tirage en croix. Hein, vous savez, celui qui me plaît tant et puis celui que je conseille fortement pour le jeu de l'oracle. Une vision en plus. Vision en plus. Alors, on y va. Donc, les élections. Les élections. Ok. Donc là, c'est vraiment élection. Ce qu'il y a contre, ce qui peut aider au jeu. Ok. Au-dessus. Tac. Au-dessous. Ce qui peut se passer. Au-dessus, ce qui plane. Au-dessous, hein, ce qui peut arriver, ce qu'on n'attend pas. Et puis la réponse à la question, je vais la prendre ici. Tac. On y va. J'espère que vous les avez bien. Hein. On va les resserrer un petit peu. Voilà. Donc tout est sur la table. Donc les élections. Comment se montrent les élections actuellement? Ah bah écoutez, jolie carte, il y a l'alliance, il y a le mariage, il y a l'aide d'un tiers, il y a une collaboration, il y a quelque chose qui se passe, qui se trame. Pour l'instant, tout semble aller dans le déroulement d'une élection. Voilà, rien n'est bloqué pour l'instant, hein, sauf que ce petit mot alliance, bon, on peut le mettre, ça va parler à certains et pas à d'autres. Mais les élections, voilà, on dirait qu'elles arrivent hein, pour dimanche. Alors, en contre, donc la perte, mais elle sort en contre. Hein. Donc, il faut quand même le voir peut-être différemment. C'est-à-dire, il y a un risque, il y a des oiseaux, on les voit bien, hein, qui planent, vous voyez, enchaînés sur le petit ange. Donc, on voit bien hein, les chauves-souris qui sont enchaînées, là, qui sont là. C'est le chiffre 21, donc très parlant. Vous avez la lune, elle est pleine, et puis le petit ange, il pleure. Hein. Donc il y a quelque chose qui peut pousser contre ces élections, on est bien d'accord, contre ces élections à ce qu'il y ait une perte ou quelque chose de non finalisé ou qui se finalise par rien du tout, quoi, ma foi. Au-dessus, hop là, au-dessus des élections, ben, écoutez, il y a quelque chose qui arrive, qui se désigne, hein. Il y a une opposition d'idées, il y a un procès, il y a un conflit et une lutte, il y a quelque chose qui est en train de bloquer. Là, c'est sur le point de se faire, hein. Il est possible que ça aille jusqu'à jeudi et qu'on apprenne quelque chose au niveau... Attention, Chana, ne touche surtout pas mes cartes, ma chérie. Voilà, surtout pas le pied. Attendez, hein, excusez-moi, Oh, puis elle fait déjà 45 kilos à 7 mois, ça pèse. Chana, voilà, c'est bien. Donc voici la carte de la justice. Hein. Donc ça veut tout dire. On peut avoir un barrage qui est au-dessus de ces élections et qui arrive au dernier moment et boum, qui arrête tout. C'est la carte 33, la carte rouge. Ça peut être quelque chose d'assez soudain, d'assez inattendu pour le peuple aussi. Hein. Comme si on n'avait pas le droit et que la justice arrêtait quelque chose. Donc qui se finalise par une perte. Au-dessous, oh bah dites donc, éboulement, écroulement des élections, hein, carrément. Donc, ce n'est pas je vois 12 candidats ou je vois Emmanuel Macron ou quelqu'un d'autre arriver. Je n'ai pas ces élections. On va quand même regarder la carte finale hein, qui donne la réponse.
Oh là là, alors ça par contre, être providentiel, il y a une grâce du ciel, il y a l'inattendu, il y a les anges qui veillent, il n'y a pas les élections, il y a une aide du ciel, il y a quelque chose qui arrive qui fait que ces élections ne se passent pas. Et ça, en réponse à la question, l'aide du ciel, c'est le peuple, c'est pour le peuple, c'est une aide d'en haut pour que les choses ne se produisent pas, et viennent éclaircir, c'est l'éclaircissement aussi, hein, l'arc-en-ciel, hein. Donc voilà, donc au niveau des élections, mais écoutez, je ne l'ai pas. Par contre, une très grande joie, il y a une très grande joie pour le peuple par rapport à ça. Donc je suppose que c'est la justice et l'écroulement de cette situation. Voilà, donc j'ai tout fait. Est-ce qu'on recouvre pas? Moi, je pense pas, hein, sincèrement, on touche à rien. Je n'ai aucune élection. Donc n'allez peut-être pas perdre vos énergies ou continuer à vous battre dans le sens où vous vous battez déjà, à penser qu'il faut voter contre, pour, etc., etc. Pour moi, vous allez perdre vos énergies, mais bon, on va voir, hein. Voilà, et puis pour ceux qui votent pas, bah, écoutez, ils ont tout compris, hein, je pense, hein, je pense qu'ils ont tout compris tout simplement, hein, c'est-à-dire on cautionne pas des choses qu'on ne veut plus entendre parler. Voilà, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Mais bon, ça, c'est mon propre avis. Je vous souhaite bonne chance. Et puis, on va voir si j'ai raison ou pas du tout. Je vous dis bonne chance. N'oubliez pas, j'ai 15% de remise sur mon site actuellement, sur tout le site, aussi bien la voyance que les objets, que les plateaux en orgonite, que, enfin bref, tout ce que je fais, tout ce que je propose et tout ce que je vends. Je vous souhaite bonne chance. Je vous fais plein de... plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vais essayer de vous montrer les loulous vite fait, si je peux les attraper au vol. Hop là, coucou mes bébés. Ah mes chéris, alors mes amours. Voilà, vous avez Shana toute noire et puis ma petite plume noire et blanche. On va aller faire une balade. Donc, je vous laisse, gros gros bisous à tous, prenez soin de vous et je vous aime.